Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mani, votre consultante business. Alors je fais cette courte vidéo ce matin. Nous sommes jeudi le 25 pour vous montrer mon petit retrait de 1 000 $ sur Timex, donc un petit 660 000. Bon, ça c'est moi, hein. Sur moi ça donne 660 000. Chez vous ça va donner 570 000. C'est pas rien. Maintenant, ça peut aussi même donner 700 000, hein, tout dépend combien à qui vous allez vendre vos bitcoins. Voilà, si vous les vendez sur des plateformes fiables comme les miennes, voilà, ça sera un peu moins que ça. Mais comme c'est moi-même qui vends ici encore, donc pour moi, c'est un 660 000 bien gagné avec succès là que je vais faire le dont je vais faire le retrait. Voilà. Je vais coller mon jeton. Et j'attire encore votre attention. Lorsque vous mettez le montant ici, vous allez voir que par défaut, ici s'affiche un nom du votre nom d'utilisateur. Et par défaut, ici, il y a déjà une clé au niveau de la clé financière. Je vous conseille toujours d'aller copier votre clé financière dans votre boîte mail et ici de remettre le même montant que vous voulez retirer. Voilà. Et n'oubliez pas de cocher. Êtes-vous sûr de vouloir demander un retrait? Vous le cochez. Et n'oubliez pas de sélectionner votre portefeuille. Si vous n'avez pas encore de portefeuille Bitcoin, il suffit juste de cliquer sur s'inscrire pour coller votre wallet, tout simplement. Voilà, demandez le retrait. Normalement, je devrais avoir un successful, hein. Oh là là, les petits dollars, ça va aider pour les projets. Comme vous pouvez le voir, request completed. Successfully. Ok. Voilà. Succès. Et quand ça fait ceci, vous recevez automatiquement un mail. Un qui vous dit que la requête, voilà, est en cours et que vous allez recevoir les 10% du montant dont vous avez demandé le retrait. Et ensuite, lorsque votre paiement est envoyé dans votre blockchain ou votre wallet Bitcoin, vous recevez un deuxième mail avec un lien H qui vous montre le suivi et de votre transaction. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo va te motiver ce matin encore à te booster, à savoir, tu dois savoir que devenir ce que nous nous sommes aujourd'hui, avoir une liberté financière, parce que je ne dirais pas devenir riche, mais je dirais avoir sa liberté financière, c'est un risque à prendre. On ne devient pas libre financièrement sans prendre un risque. Et comme quelqu'un l'a dit dans une conférence, le succès n'est pas une position. Pour arriver au succès, il faut passer par l'inconfortable. Le succès n'est pas une position confortable. Pourquoi? Parce que pour avoir le succès, il faut se mettre en inconfort, c'est-à-dire il faut risquer. Voyez un peu, il faut risquer pour pouvoir devenir indépendant financièrement. Donc le succès n'est pas une position confortable pour la simple raison que le risque est un grand inconfort. Voilà. J'espère que vous avez aimé ma vidéo aujourd'hui. Allez, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, si vous me découvrez au travers de cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Voilà. Ciao, ciao.